c'était le film sur France 3 avec TéléZ. De Tino Rossi à Chantal Goya, des cadeaux, rien que des cadeaux pour faire patienter nos petits souliers. En attendant le Père Noël, après la météo et soir 3. Motorisation 1,5 litre DCI. Attention, vous partez avec une longueur d'avance. Désormais, la lessive liquide Le Chat se concentre et change de forme. Nouveau Le Chat Liquids, la plus simple façon de doser. Un seul liquide suffit pour une machine. La dose se dissout parfaitement dès les basses températures et libère sa puissance concentrée au cœur même de votre linge. Résultat, une propreté absolue et un linge parfaitement respecté. Nouveau Le Chat Liquids, à vous de l'essayer. Venez fêter Noël avec Walt Disney. Retrouvez la féerie de Blanche-Neige et les Sept Nains. Bonjour. Riez des mésaventures de Cusco et attendrissez-vous avec la Belle et le Clochard 2. Plongez dans la préhistoire avec dinosaures. Retrouvez vos héros préférés au pied du sapin, disponible en VHS et DVD. Elle, elle a le geste optimal. Aujourd'hui, Sun 3 en 1 optimal, c'est dans une seule tablette le dosage optimal des fonctions de Sun lavage, Sun sel et de Sun rinçage qui agit en fin de cycle pour une brillance étincelante. Nouveau Sun 3 en 1 optimal, toute l'expertise de Sun dans une seule tablette. Sun 3 en 1 optimal est aussi disponible en poudre. Oh, une pochette cadeau. Regardez, c'est plein de jeux. Pochette cadeau, 100 francs. Mieux vaut en prévoir pour tout le monde. Fièvre, frisson, courbature, maux de tête. Et ta grippe, aussitôt Ocilo. Sans somnolence, Ocilo Coccinum est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Ocilo. Cette étonnante douceur au lait de coton qui caresse votre peau, c'est la sensation du nouveau mini-doux lait adoucissant. Hypoallergénique, il convient aux peaux les plus douces, comme aux plus dures. Avec mini-doux lait adoucissant, le bien-être est en vous. Nouveau mini-doux sensation, être bien, être doux. Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? Vous m'avez reconnu? Je suis l'année 2001. Ensemble, on vous donne rendez-vous pour une soirée donc exceptionnelle. Nous allons passer en revue tous les succès de l'année 2001. Nous avons passé toute une année ensemble. On ne va pas se quitter comme ça. Avant de vous laisser à ma copine 2002... Une soirée événementielle avec mon camarade Dave. Votre ex 2001 vous offre un dernier tête-à-tête aux chandelles, mercredi à 20h50 sur France 3. Pour la météo de Noël, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir. Le réveillon est bien commencé pour vous, j'espère. Il va se poursuivre, mais soyez extrêmement vigilants lorsque vous utiliserez votre voiture pour entrer. Si vous habitez précisément dans le nord-est du pays, nous attendons encore du verglas, de la neige et du vent avec l'arrivée d'une perturbation dirigée par un flux de nord-ouest qui va tourner à sud-ouest. Donc, douceur sur l'ouest du pays et fraîcheur sur l'est. Regardez la carte pour demain matin, ce sera beaucoup plus clair. On retrouvera du verglas, de la neige et du vent jusqu'à 80 km à l'heure.
dans toutes ces régions, du vent partout ailleurs avec de la pluie parce qu'il fait plus doux. Plus on ira vers le sud, plus on aura du soleil. Attention brouillard givrant là aussi sur la vallée de la Garonne. Dans l'après-midi, cette perturbation va descendre un tout petit peu plus vers le sud du pays avec de la neige à partir de 300 mètres. Toujours beaucoup de vent. Il faut savoir que 70 km à l'heure à l'intérieur des terres, c'est assez important. Donc soyez extrêmement vigilants. Et c'est déjà la traîne qui arrive par les côtes de la Manche et toujours un vent de nord-ouest. Sur le sud, c'est du soleil. Petite tramontane tout de même à 60 km à l'heure. Du côté des températures, demain matin, nous partirons de très bas, surtout dans le sud. Moins 11 à Aurillac pour aller jusqu'à 6 à Brest. Et dans l'après-midi, nous partirons là encore d'assez bas, puisque nous partirons de 2 degrés du côté de Grenoble pour aller jusqu'à 11. Et on voit que ça remonte sur le nord-ouest du pays. Pour les deux prochains jours, mercredi et jeudi, résidu de la perturbation sur l'est avec de la neige, ciel voilé sur l'ouest, soleil au sud, sauf sur la Corse. Nouvelle perturbation jeudi sur toute la façade atlantique et la Manche et un ciel voilé à l'extérieur, sauf sur la Méditerranée et sur la Corse. Et des températures remontent tout doucement, 5 au nord, 7 au sud, attention au vent. Voilà, vous savez tout, je vous souhaite bien sûr un excellent joyeux Noël, mais je voudrais avoir une pensée toute particulière pour ceux qui sont seuls ce soir, pour ceux qui sont à l'hôpital ou pour ceux pour qui Noël sera un jour comme les autres. Eh bien, j'ai une pensée et j'espère que vous l'avez avec moi. Dans un instant, Jean-Sébastien Fernandez pour Soir 3, à bientôt. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Minidou, découvrez une nouvelle sensation. Cette incroyable douceur à l'amande douce qui caresse votre peau. Cet étonnant parfum de pêche qui éveille votre esprit. C'est la sensation du nouveau Minidou tendre câlin. Avec Minidou tendre câlin, le bien-être est en vous. Nouveau Minidou sensation, être bien, être doux. Depuis des générations, on fait le Roquefort Société. Et dans longtemps, on le fera encore pareil. Parce que le pays, il est pareil. Et que le Roquefort Société, il a le goût de ce pays. Ces hommes sont fiers de ce qu'ils font. Et ils savent que d'autres continueront après eux. Roquefort Société, pour que vive la légende. France 3 vous donne rendez-vous avec Larousse. Demain sur France 3, c'est Noël. Les 10 meilleurs du trimestre sont dans leurs petits souliers. France 3 a décidé de vous offrir un beau programme de fête. Question pour un champion spécial Noël. Avec du rire, Pierre. Merde. Avec des parodies, avec des bêtisiers. Mesdames, messieurs, il nous arrive de péter les plombs de temps en temps. Pardonnez-moi, je me gifle et je recommence. Hélène, tête. Oui, en très bonne réponse de... Vénus de bronze. Ce soir, tout est possible. Bon Noël, bonne soirée à tous. Orchestré par Julien Lepers, un très spécial question pour un champion. Demain, à 20h50, sur France 3. Joyeux Noël sur France 3.